Et salut à tous, nous revoilà sur la map Bayern, map V2. Allez, on continue sur notre élan. Sur cette musique de début, qui fait partie de la map bien sûr. Donc allez, on est parti. Donc on va avancer, doucement, on va faire ce qu'on était déjà en train de faire, je ne sais plus. Ah bah il fallait qu'on vide tous les silos pour pouvoir acheter des terrains, parce qu'on n'avait pas beaucoup de terrain. Donc je connais toujours pas la map par contre. Donc il faut qu'on achète le champ 39 et le champ 37. Enfin, le champ 37, je sais pas si c'est du maïs, je crois. Ouais, c'est du maïs. Donc on va ramener le matériel, hein. De toute façon pour l'instant on n'en a pas besoin. Alors c'est une carrière. Donc c'est un épisode qui va durer assez long. Parce que je vais essayer d'avancer un maximum. Donc dites-moi dans les commentaires si les épisodes sont trop longs pour vous ou pas. Comme ça je réduirai le temps des épisodes. À mon avis, il n'y a pas besoin de réduire le temps puisque que sinon on n'avance pas dans cette map et c'est assez chiant. Donc là je sais plus comment on ouvre les portes. Voilà, c'est ça, j'avais déjà rangé. Ok, donc ça c'est bon, ça c'est bon. Donc on était avec lui. On va aller vendre le colza. Donc on va aller vendre le colza à notre base militaire. Si je passe par là, je peux pas passer par là. On fait demi-tour. Bon, c'est une... J'aime bien cette map, elle est assez sympa. Quand même hein, ça on peut pas l'éviter quand même, faut pas non plus abuser, on peut pas tout avoir. Donc on trace directement à notre base militaire pour pouvoir revendre ça. Et j'ai un abonné qui m'a fait un commentaire où se trouvent les points de vente pour acheter les terrains. Et ben on va aller voir ça ensemble après. Ah, y a les bruitages aussi des avions qui font beaucoup de bruit. J'ai pris mon tracteur au moins, je sais même pas si j'ai pris. Voilà. C'est pas rempli, c'est pas grave de toute façon. Ouais, j'ai tout ça. Est-ce qu'on avait... Oui. Là, je fais un petit détour, hein, quand même. Ça fait un peu long. Donc le colza s'est récolté, s'est vendu pardon, directement à la base militaire. Je ne sais pas ce qu'ils font avec, mais ils font... Bonjour les gars, je vais livrer du colza. Ah
Après, je vais juste faire un coup de zapette pour accélérer le temps. Je vais m'acheter ma moissonneuse favorite. Gagner du temps sur les récoltes. Comme ça, je fais avancer. Camion de pompiers aussi là-bas, un hélicoptère. Alors, marche arrière, toujours pareil, hein, je ne suis pas un professionnel des marches arrière. Faire avec ici ou quoi? C'est un petit bug. Ça fait moche. Oh, c'est quoi ce bordel? Bon, je n'y arrive pas. Comme d'habitude, hein, de toute façon, ça change pas. Ça fait moche, mais il faut décharger là. Ok, 34 000. Voilà ce que je vais faire. Hop, directement. Je vais m'acheter. Je vais revendre la moissonneuse, celle-là. Ça va déjà me faire de l'argent. Ok, maintenant, je vais m'acheter. La moissonneuse favorite. Donc comme j'ai dit dans les épisodes, c'est une moissonneuse qui est cheatée. Elle est pas chère. Donc c'est une bonne moissonneuse d'occasion. On va dire ça comme ça. Donc elle est cheatée en capacité et en consommation de gasoil. J'en ai une autre aussi là. Je sais plus si c'est celle-là. Ou celle-là. Enfin, une des deux, elles sont cheatées aussi. Mais bon, celle-là, elle coûte plus cher. Est-ce que je passe à travers les voitures? Ah, ça par contre, c'est mal fait. C'est pas grave. Allez, on est reparti. Donc on a assez d'argent, je pense, pour acheter un ou deux champs. Donc, ce que je vais faire, je vais aller reposer la remorque, la ferme. Voilà.
nous faut le champ 37. Et le champ 38. 39. Pour l'instant. Là, j'ai fait un petit fail. Le champ 27 et le champ 26 aussi qui sont à nous, mais je ne sais pas. C'est de l'herbe, donc c'est pas très intéressant. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On arrive au village, je vais le mettre en vue extérieure. On a un plan. On va voir si le plan il nous dit quelque chose. On est là. Super. Non, il nous dit rien. Ok. Alors ici, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est le magasin pour acheter. Ok. Ici c'est pour vendre, ok. Ici je sais pas ce que c'est, on sait le magasin. Donc pour vendre les outils, c'est là-haut. La dernière fois j'avais pas trouvé, donc maintenant on a trouvé. On va remonter dans le tracteur parce que faire tout à pied, ça va pas être facile. Donc là, je me mets en vue extérieure. Pardon, monsieur. Je me mets en vue extérieure parce que sinon, ça va être trop long. Ici, c'est quoi? Un petit truc qui... Mince. Le sable. Vendre du sable, la laine. Ici c'est quoi? Ah, c'est pour faire les crédits, d'accord. Donc repérez bien hein, si vous connaissez pas la main. Donc là c'est la banque. Juste à côté où on vend la laine. Ok. Ça va être le biogaz, je pense. Ouais, moi je cherche la boutique pour acheter les champs.
face à des maisons. Bon, j'ai pas encore exploité la map, je le fais avec vous, comme ça tout le monde voit comment ça se passe. Mais des panneaux, mais je comprends pas le. Je comprends pas la map. Ah, ça doit être là. Ah voilà, c'est là. Donc c'est pas loin du champ 15 et du champ 14. Du coup, alors il nous fallait le champ. Cimetière, génial. Donc j'ai acheté des champs assez loin quand même. Il doit y avoir une autre boutique parce que là. Allez, j'ai fait un petit bouchon. Le champ 2, le champ 4, le champ 25. Donc il va y avoir un autre magasin. Là on peut pas rentrer. Ah, c'est des zones alors. Je sais pas du tout. Si vous savez, dites-le moi dans les commentaires, s'il vous plaît. Aidez-nous. Il y a un grand village quand même, hein. C'est pas une petite map. Oh, il doit y avoir, ça doit être des zones en fait. Donc là, c'est là. Où on prend l'eau. Là c'est quoi? C'est des positions.
petite balade dans la map. On cherche les points de vente. Donc là, ça doit être les moutons. À la base. On va commencer à faire assommer. Est-ce qu'on a assommé? C'est une map assez compliquée. C'est une map assez compliquée, comme vous avez vu. Comme ça on va pouvoir travailler tous ensemble. Si vous m'aidez, ça sera génial. Déjà je vais initialiser comme ça, voilà, on va directement à la base. Tac, hop, je vais tout réinitialiser comme ça, voilà. J'espère que vous allez pas m'en vouloir. Mais on va gagner un peu de temps parce que déjà que cette vidéo va durer assez longtemps. Là, c'est pas évident, j'ai mon chat qui est sur mes genoux. Ok. Je vais devoir mettre des hangars. J'espère que je peux traverser. Je peux traverser ça. Bon, désolé pour les petits fails comme ça, mais je ne vais pas prendre le risque de faire tous les tours. Parce que sinon ça va prendre beaucoup trop de temps.
De quoi ça fait là? Oh, c'est quoi ce bazar encore? Voilà, on va commencer à préparer pour récolter le colza, replanter du colza. Cette fois, je vais prendre avec le tracteur, je vais prendre la route. J'espère que j'ai pas acheté de l'herbe parce que ça me ferait bien chier quand même. Donc ça c'est le 1. Ok. Ça c'est le 2. Ok. Ils sont déjà plantés. On va aller voir le 4. Être déjà planté aussi. Okay. Donc, à mon avis, quand on achète le champ, il y a des semences qui se mettent directement. C'est vraiment pas, dites-moi si vous voulez que je continue cette carrière ou pas, parce que à mon avis ça va être une carrière assez longue et assez complexe. Et à mon avis je vais me prendre la tête sur cette carrière et ça va être très très chiant. Donc dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je continue cette carrière ou pas. Si vous voulez que je me prenne la tête. Ah, de la course.
ça va être une map peut-être pas très intéressante en fait. Je sais pas. C'est à voir, c'est vous, dites-moi. Dites-moi si je continue ou pas. Mais à mon avis, ça va être une map très très chiante. Si vous voulez que je continue cette carrière là, et ben aidez-moi. À trouver les champs. Cette musique. Aidez-moi à trouver des points de vente pour les champs 38, 37, enfin après les. Les autres en fait. Voilà. Voilà. Ça c'est le cochon. Ça c'est le cochon. J'ai rien. Une moissonneuse à chaque champ que je récolte un, parce que sinon ça va trop long. Et en plus les champs ils ont pas beaucoup de capacité.
Voilà les amis, l'épisode se termine ici. C'était un court épisode parce qu'en fait je sais pas trop si je veux continuer cette carrière. Parce que ça me paraît un peu bizarre comme map. Elle est pas. C'est une map pas très facile. Donc si jamais je dois continuer cette carrière, faudrait mieux que je la fasse en multijoueur. Mais bon, on a acheté quand même 3 champs. Et si vous êtes intéressé à faire du multijoueur, par contre, on fera le multijoueur avec les modes, sans mode, je veux dire. On verra. Donc voilà. Si vous avez des questions ou si vous faites, dites-le-moi dans les commentaires. Si vous avez besoin de quelque chose. Dites-le-moi dans les commentaires, comme ça on avancera. Si vous voulez m'aider pour cette map, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Donc c'était Bookie7700. Je vous remercie. Mettez un max de commentaires, un max de pouces verts. Et à la prochaine. Ciao.